Isabelle, une carte de magasin, je l'en fasse. Hein. Vous avez bien fait de suivre mes conseils. L'argent ne doit pas rester improductif. C'est un vieil adage. Avec les Tangana, vous ne courez aucun risque, cher ami. Les progrès sont constants et deux nouveaux gisements viennent d'être découverts. Grâce à moi, vous achetez au plus bas. Et dans 6 mois, je dis bien dans 6 mois, vous aurez doublé votre capital. Alors, mon cher monsieur Durand-Marœil, inondez-moi de Tangana. Comment allez-vous, ami? Oh, monsieur Durand-Marœil, monsieur Lorrain, je vous présente monsieur Victor Garnier, un des meilleurs armuriers de Paris. Oh, oh le meilleur. Lui seul saura vous conseiller sur le choix de l'arme qui vous convient. Oh, vous savez, les conseils, il faut parfois s'en méfier des conseils. Oui, notre ami vient d'avoir une petite mésaventure avec les Tangana, une énorme désaventure. Mais qui pouvait prévoir la nationalisation de ces mines, hein? Vous, peut-être. Merci. Non, ma chère amie, ma compétence s'arrête là où les impondérables commencent. Hein? Alors, le fusil... Ah oui, le fusil. Vous allez voir. C'est pour le pigeon, hein? Vous savez, le pigeon est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Ouais. On croit l'avoir eu, et hop, il revient vous faire caca sur la tête. Oh, mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Tenez, alors un bijou, intérieur parachromé, ouais. Le chalkboard. Perfectionné des deux côtés, bande striée à tenon d'accrochage, sans cadran dans la bascule, éjecteur automatique, quadruplé verrou, 3 kilos. Pour vous, 5 700. Parce que je ne veux pas vous assassiner, moi. N'est-ce pas un peu cher? Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Regardez, hier, il était chez vous, là, aujourd'hui, il est ici. C'est dans la nature des choses. Il se charge facilement? Très facilement. Il est prêt à fonctionner, vous voyez. Il est à vous, mon amour. Oh, mais vous me gâtez beaucoup trop, André Hugues. Mais où trouvez-vous tout ce fric, dites-moi? C'est pourquoi il importe, mes frères, de ne pas confondre la bonté et la faiblesse. Nous avons le devoir d'être vigilants et fermes dans notre foi. Pour cela, il nous faut être forts et déterminés, afin qu'ils se souviennent de ce que nul d'entre nous ne doit jamais oublier, bien mal acquis ne profite jamais. Ainsi soit-il. Dites donc, mon vieux, j'ignorais que vous dirigiez une boutique de farces et attrapes. C'est-à-dire? Non, écoutez, mon cher Garnier, il se peut que cela vous amuse, mais moi, j'appelle ça de la malhonnêteté, hein, de l'abus de confiance. Enfin, je n'entends rien, vous sous-entendez. Oui, bon, alors écoutez ça. C'est un canard. Excusez-moi, mais nous allons réparer cela immédiatement. C'est la première fois que je rentre bredouille, j'ai dû offrir le champagne à tous mes amis, hein, pour fêter ça. Mais ben, vous avez l'habitude de les faire sauter, vous, les bouchons. Ah oui, qu'en savez-vous? Ah ben, une intuition, comme ouais. Ça. Un canard. Ça. Ah non, détenez, essayez ça, monsieur Durand-Marœil. Zéro. Enfin, vous n'avez pas de coffre, bon sang. Là, je trouve très maladroit de votre part de vous montrer désagréable. Êtes là votre chérie. Si je m'occupe de votre publicité, vous allez sauter plus haut que votre fils. Écoutez, hein. Ne me poussez pas à bout, parce que c'est moi qui vais vous faire sauter, je vous satellise. Amusant. Si tu me vends encore un Corilène criard pour une oie bernache, je t'envoie chez la cousine d'Issoudun.